J'ai enlevé le ventilateur derrière moi là. On me voit quand même. Voilà. Bon. On peut lancer. Ceux qui doivent partir, vous partez. Ceux qui n'ont pas la connexion, hein. Ceux qui ont demandé la connexion, vous partez. Ok. Donc, ce que je vais vous donner ici, c'est très important pour votre vie. Bonjour, bonjour. J'ai promis de vous donner des étapes pour pouvoir relancer sa vie. Pourquoi relancer sa vie d'abord? Je suis consciente que, en tant que choisie, vous aurez des périodes où l'argent va partir. Vous aurez des périodes où on ne vous donnera pas ce que vous demandez. Vous aurez des périodes où vous allez commencer avec un homme, vous commencez une relation, et puis la relation se gâte, ok? Ça vous arrivera. Maintenant, quand ça va arriver? Donc, cette vidéo, c'est pour cette femme ou cet homme qui s'est retrouvé au pied du mur. Donc, genre vraiment... j'ai dédié des années à cet homme, à ce mariage, et je me retrouve aujourd'hui sans argent. Je me retrouve aujourd'hui, il allait se marier avec une autre personne. La première chose que tu dois comprendre, c'est que ta priorité devient de te faire de l'argent. Donc, tu dois mettre des sources de revenus sur pied. Toute énergie ou toute chose que tu as aidé ton ex ou encore ton ex-patron, ton ex-mari, ton ex-femme à mettre sur pied, tu as pris ton énergie, tu as travaillé pour ces personnes, tu leur as, les as conseillés et aujourd'hui ils sont peut-être mieux que toi. Ou bien tu as conscient du business, il a chuté. Première chose que tu dois comprendre, c'est que si je respire, ça veut dire que je peux encore rectifier les choses. Je peux encore changer le cours de ma vie. Et je crois que ce n'est que notre génération, avec les shorts qu'on peut faire aujourd'hui sur TikTok, avec la capacité de faire des vidéos qu'on a aujourd'hui, quand quelqu'un peut-être perd du poids,
il commence, il se filme. Après, quand il nous montre, en 30 secondes, tu peux voir son changement de poids. Mais on ne nous prévient pas que les 30 secondes-là, c'est peut-être 4 ans de la vie de la personne. Tu peux commencer à perdre du poids et ça te prend 4 ans pour perdre. Ce n'est pas forcément que c'est en un mois que ça le fera. Donc, vous devez comprendre qu'il y a le facteur temps que vous allez mettre. Et moi, ce que je me dis toujours, c'est que si je sais que je vais réussir, et que je sais que la seule personne qui peut m'arrêter, ou la seule façon dont je peux échouer, c'est si je m'arrête. Tout ce que j'ai à faire chaque jour, c'est de continuer. Donc la seule chose que je dois faire quand il me lève le matin, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me rapprocher? Me rapprocher de quoi? Donc, quand j'ai compris le facteur temps, la deuxième chose, je dois avoir un plan. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas de plan. Là comme ça, élan. Le plan se raffine avec ce que tu connais, le plan se raffine avec ce que tu as déjà fait et que tu as échoué, et le plan se raffine avec les conseils que tu as reçus. Mais au-dessus de tout, c'est l'application. Parce que si tu as le meilleur plan mais que tu n'implémentes pas, on revient à zéro. Like, you know, it's just nothing. Donc, tu dois te décider que peu importe. Donc, toi qui m'écoutes actuellement là, prends déjà une feuille. Tu sais qu'on dit comme ça, ah, parle, non, j'écoute. Parle, non, j'écoute. J'ai un jeune homme que je coach actuellement. Et il a regardé une vidéo hier. Et dans la vidéo, le monsieur disait exactement ceci. Je me suis rappelé quand j'avais 26 ans, quand je commençais encore ceci. Ça fait 10 ans et plus. J'écoutais les gens, Napoléon Hill par exemple, réfléchissait à devenir riche. Il dit, écrivez vos objectifs. Je dis, ah. Parce que généralement, quand elle prenait la feuille, rien ne sortait. Je n'avais pas d'objectif avant. Hein. Ma vie est aussi comme ça. Parce que si tu n'as pas d'objectif, ton quotidien ne peut pas avoir de compas, de boussole, de canevas. Ce sont tes objectifs qui vont faire que tu dises, si un homme vient, il veut te draguer. Que, je t'aime. Tu as pour but peut-être de devenir médecin. Tu es à ta troisième année de médecine. Bébé, faisons l'enfant. Soit tu veux te mettre au foyer, soit tu veux devenir médecin. Ce qui fait que tu vas dire non à la grossesse pendant 4 ans, pendant que tu finis ton cursus scolaire. Beaucoup d'entre vous, vous êtes tombés parce que vous ne saviez pas ce que vous voulez de votre vie. Donc, prends ton papier et je dis bien, le premier remède, c'est d'abord l'application. J'ai 100 combien de personnes qui sont connectées ici. Je suis sûr que parmi vous, il y a peut-être 3 personnes maximum qui vont prendre le papier. Là, comme je vous parle. Veux accomplir. Maintenant, on va diviser en aspects de ta vie. Non, tu sais, parfois en voulant changer, tu te focalises sur un seul aspect et tu oublies tous les autres aspects. Donc, côté santé, est-ce que ton poids te plaît? Ça peut être à 40 ans que tu ne vas pas à la gym, mais tu as un ventre plus plat que quand tu avais 22 ans. Et c'est à 40 ans. Tu te retrouves à 40 ans, tu manges sain jusqu'à. Tu sautes au lattice. Tu portes les talons tous les jours. Les femmes sportives, là, vous savez de quoi je parle. Ça fait un an et demi ou 2 ans que j'ai arrêté le sport. Quand je faisais le sport, je mettais les talons. Je peux courir avec les talons. Ton poids, est-ce que ton poids te plaît? Si ton poids te plaît, laisse la partie poids. Maintenant, c'est des choses que tu veux changer. Écris. Ça commence seulement par un objectif. Parce que chaque aspect que tu mets, tu vas revenir sur ça, après tu vas chercher.
Ok, si tu trouves que mon ventre est trop. Peut-être que tu manges tard la nuit. Là, depuis le matin, tu n'as pas reçu ce que tu vas manger. Est-ce que vous savez que normalement, on doit planifier notre alimentation? Donc, tu dois planifier tes 4 prochains jours, tes 7 prochains jours. Même ceux qui disent que ce sont les coachs mensuels en ligne là, vous ne faites pas bien. Sur la perte de poids, il y a trop de business dedans. C'est un business que j'arrive sur ça. Je vais bientôt lancer mon truc ici là. Je vais vous dire que je suis coach pour l'investissement. Il y a la spiritualité, il y a le physique et il y a l'amour. Voilà les choses qui donnent l'argent. Si tu coaches les gens pour les finances, ils ne vont pas payer parce qu'on dit qu'ils n'ont pas l'argent. J'ai les problèmes de finances, je ne veux pas payer pour qu'on m'aide à sortir de là. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, tu écris. Est-ce que tu as un poids que tu avais avant? Si tu écris, tu reviens dessus, ok. Ça veut dire que tu pars en ligne, tu fais des recherches. Tu arrêtes de manger après 19h, supposons. Tu arrêtes de manger, tu te prépares avec beaucoup d'huile. Tu cherches pas les recettes qui sont adaptées. Et les personnes spirituelles, vous devez manger le moins de viande possible. La viande ralentit ton énergie spirituelle. Quand je peux te dire que je veux te préparer la nourriture, je ne mets pas la viande dedans, je ne mets pas trop d'huile. C'est bon jusqu'à ce que tu oublies de demander la viande. Tu oublies de demander la viande. Chez moi, ça m'a mis les crevettes dedans. Ou bien il met la tête du boum avec les crevettes. C'est tout. Peut-être que ta nutrition, tu as dit que je vais arrêter de manger le cube. Je prépare 100 cubes. Daniel, le poulet, c'est quoi? Le poulet, c'est le criquet. Le poulet, c'est le cancrela. Le poulet, c'est quoi? C'est le poisson. Arrêtez aussi, non? Tu t'es mis sur ton poids, tu reviendras dessus tout à l'heure et tu vas voir. Est-ce qu'il faut que tu achètes la gaine? Vous connaissez la gaine, non? Ce que tu remets pour le ventre, le serre-ventre. Parfois, tu as arrêté de manger certaines choses, mais le ventre est toujours un peu. Même Cardi B, qui a les formes pour vous admirer, Cardi B se gaine le ventre jusqu'à le feu sort. Elle se gaine le ventre jusqu'à le feu sort sur ça. Je me rappelle quand j'ai commencé à manger sain, j'étais en Europe. Maman, maman Koloko. Manger bio en Europe, c'est une fortune. Tomate, 2 euros. Tomate bio, 3,50, 4 euros. Maintenant, tu as écrit là pour l'aspect des pour ton physique. Maintenant, on va voir côté relation amoureuse. Est-ce que là où ta situation amoureuse actuelle te plaît? Sinon, quels sont tes objectifs? Quel est le genre de relation dans laquelle tu veux être? Tu mets les détails. Je veux être avec un homme qui a son propre boulot à lui, ou sa propre source de revenus, ou ses propres sources de revenus. Ouais, je veux être avec un homme bien. Bien comment? Un homme peut-être qu'il va comprendre la spiritualité et qu'il pratique même la spiritualité. Un homme peut-être pas trop vieux, pas beau, écrivez ce que vous voulez. Il y a les femmes qui peuvent dire que je veux être avec un homme qui a ses enfants, qui ne me met pas la pression pour qu'il ait les enfants. Tu peux dire que tu vois un homme mature, qui connaît la part des choses entre sa famille et sa femme. Si c'est une femme qui écrit. Si c'est un homme, tu viens avec une femme qui va me soutenir sur ceci peut-être. Et en mettant ce que tu veux offrir, que tu veux dans une relation, il faut toujours voir que tu vas apporter quelque chose et la personne t'apporte quelque chose. Beaucoup d'entre vous, vous venez dans les relations et vous n'avez rien à apporter.
rien. Tu vois seulement ce que tu vas prendre. Un homme qui va donner 1000 euros le mois de ration alimentaire. Un homme qui va me donner. Maintenant, si tu vois que voilà le genre d'homme que tu veux, ça veut dire que toi-même, il faut que tu commences à travailler, tu vas revenir là-dessus et voir les objectifs que tu dois te fixer en tant que... Si elle veut travailler avec un homme qui fait le sport, qui a les abdos, ça veut dire qu'un homme qui a les abdos, qui travaille beaucoup sur lui, il ne peut pas sortir avec une femme qui ne fait pas le sport. Et même si avec un homme qui fait le sport, il va vouloir te convertir pour que tu fasses le sport. Tu vois, tu vas marcher avec un homme tout le temps, tu vas crâner. Regardez, c'est les formes de mon corps. Dès que tu as dit que bon, on est costaud, qu'on a parqué. Et ton gars là. Tu vois que lui-même aussi, il ne va pas se vanter avec toi. Lui aussi va vouloir se vanter avec toi. Donc, ce que tu dis que tu vois chez lui là, cherche aussi ça pour toi. Quand tu es dans la relation, tout ce que tu peux apporter, c'est que on va coucher ensemble, non? C'est comme ça que quand vous découvrez que vos gars vous trompent dehors, vous pleurez. Parce que la seule chose que tu as offrir, c'est ton corps. Se lève, elle fait son sport. Quand on mange, on est un peu trop longtemps, elle dit que non. Après qu'elle porte la vie, ça donne. Elle tombe la vie comme ça, il regarde, il dit yes. C'est la discipline. Vous revenez mettre les détails là-dessus. On voit le prochain aspect. Mission de vie. Qu'est-ce que toi, tu penses que tu es censé faire sur la terre? Tu dois te fixer un objectif. Et quand vous fixez les objectifs de ce tableau-là, chacune de ces choses, tu dois travailler dessus chaque jour. Même si c'est seulement 10 minutes de sport le matin. La lecture peut-être. On arrivera sur l'aspect intellectuel. Tu as peut-être décidé sur l'aspect intellectuel que tu veux obtenir ton diplôme. Et là, tu te dis, il faut que je me prépare pendant 3 mois pour faire le concours pour repartir dans telle école de formation. Ça veut dire que chaque jour, tu dois pouvoir t'entraîner. Tu dois pouvoir t'entraîner. T'exercer. Parce que tu as un objectif. Chaque jour, si tu veux faire grandir ta page YouTube, tu vas t'asseoir pour faire les vidéos. C'est un objectif. Il y a des jours où tu te lèves comme ça, et tu es dans le lit le matin, tu viens de faire les yeux. Ta tête est vide. Comme c'est vide là, tu vois que c'est vide pourquoi? Ta tête va te jouer des tours. Ton mental te jouera des tours. Il y a des jours où tu restes comme ça, tu as oublié. Mais c'est parce que tu avais fixé des objectifs. Tu repars dans ton cahier là, tu regardes. Ah oui, le sport. Il est 5 heures, il faut qu'il fasse le sport, il faut que je sorte pour aller courir. Il faut acheter des tennis. Tu vas trouver un programme sur YouTube que je vais regarder. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas suivi. Ne revenez pas sur ma page. Tu as suivi Lolita. Donc quand tu restes là, ta tête est vide. Souvent en journée, quelqu'un et tes objectifs vont faire que tu dis non à certaines personnes. Quelqu'un reste un jour comme ça là. Là dimanche non. Et le dimanche, c'est le jour où les gens aiment l'oisiveté plus que tout. Ah, on va traîner, tu es dans le lit. Tu vas faire Netflix. Je n'ai pas au boulot aujourd'hui. Je peux laver mes habits même tard, non. Te voilà. Tu te tournes. Saison 1, saison 2, saison 3.
Alors que si je te rappelais ton objectif, tu te levais, tu allais en ligne, comment faire des vidéos YouTube? Tu regardes les tutos, tu regardes, tu essayes, tu regardes. Je dois faire ma première vidéo aujourd'hui, avant 18h. Voilà un objectif. Je dois faire ma vidéo. Et si tu as peur de le faire, paye quelqu'un qui peut t'aider à le faire. Revenons à l'objectif maintenant, objectif financier. Moi, sur mon papier que j'avais fait en 2021, j'avais marqué comme objectif que maximum dans un an, j'aurais 8 millions de francs, c'est pas économisé. Et je voulais avoir une voiture de 9 millions. J'ai accompli cela en moins de 6 mois. À l'époque, quand j'écrivais, c'était pour moi, ça paraissait impossible. C'était dû à faire. Mais j'ai fait. Parce que chaque matin qu'elle me réveille, tu arrives dans ma vie. Bébé, viens, on sort, on va au restaurant. Les 3 heures que je passe au restaurant à babader avec toi, à ne rien faire, j'aurais pu me concentrer pour finaliser ma page Facebook. Donc quand on dit, si tu te retrouves embrouillé, fais le travail que je suis en train de dire ici. Voilà, j'ai l'impression que ma vie n'a pas de sens, je vais où? Fais ce que je dois te dire là. Objectif financier, tu vas avoir économisé combien? Ou bien tu dis que d'ici, je vais avoir la caution pour payer ma maison. L'apport financier pour prendre mon crédit pour la maison. Peut-être il faut 20 000 euros pour acheter une maison de 200 000 euros. Mon objectif c'était d'ici septembre 2024 que j'ai mis les 20 000 euros de côté. Et d'abord je reviens, je me dis, pour avoir 20 000 euros, ça veut dire que si j'ai, il me reste 6 mois, il me faut 20, 5 mois, il me faut 20 000 euros. 20 000 divisé par 5, ça veut dire que par mois, je dois mettre. Vous me suivez, non? Tu te disciplines. Tu restes peut-être avec un mec comme ça là. Un homme peut te dire que je veux faire tel truc. Waouh, je vois que tu es discipliné. Hein? Les gens disciplinés attirent beaucoup les gens qui ne sont pas disciplinés. La discipline est attirante. Ah vraiment, tu me plais beaucoup. Parce qu'il a vu que tu es discipliné, chérie. Quand il raconte ses bêtises, il te drague même, tu ne veux même pas entendre. C'est là que tu deviens son combat. Il est derrière toi tous les jours. Jusqu'à le jour où tu acceptes que... Non, ma chérie, il voulait seulement ton énergie de discipline. Là, c'est ça qu'il voulait. C'est pas que tu es trop belle. Il voulait ton énergie. C'est pas que tu es trop belle. Donc, vous devez connaître, lire les gens. Mais pour économiser 4000 euros le mois, je dois mettre quoi sur pied? Et si c'est trop fort pour toi, tu prolonges, tu dis non, au lieu de faire ça en l'espace de 5 mois, je peux décider qu'au lieu de mettre 4000 euros de côté, je divise par 2. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour mettre 2000 euros de côté? Ça veut dire qu'au lieu de 5 mois, je vais faire ça en 10 mois. Que ferais-je pour mettre 2000 euros de côté? Tu te poses maintenant les questions. Quels sont les business qui peuvent me donner 2000 euros par mois? Tu vois d'abord tes coûts financiers personnels. Pour vivre chaque mois, j'ai besoin de 1200 euros. Donc, si je veux mettre 2000 euros de côté, je dois me faire minimum 3200 euros. Et ça, compte maintenant les imprévus que tu peux mettre en commun à 800 ou 900 euros d'imprévus. Donc, ça veut dire qu'on monte à 4000 euros qu'il te faut. Comme c'est comme ça, posez-vous les bonnes questions. Je te demande qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. C'est une petite question que tu vas te demander. L'énergie que tu mets pour réfléchir ce que tu vas manger aujourd'hui, tu peux mettre la même énergie pour réfléchir comment faire 4000 euros le mois. C'est juste parce que vous posez les bêtes questions, les mauvaises questions. Vous n'avez pas les bonnes interrogations dans votre esprit. Comment faire pour avoir 10 000 euros de côté par mois? Question.
C'est à cause que tu cherches. Tu passes sur YouTube ou sur Google, activité qui peut te donner 5000 euros par mois. Activité, boulot, les métiers qui payent. Si elle vous demande là, je suis sûr que vous ne connaissez pas un métier qui peut donner 5000 euros le mois. Pourtant, ça existe. Et on ne peut pas avoir ce qu'on ne connaît pas. Si tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux jamais arriver là-bas. Parce que tout dans notre société nous programme pour ça. Donc, pour que tu arrives quelque part, tu dois d'abord prendre l'idée et mettre dans ton esprit. Il faut que ton esprit accepte l'idée d'abord. Parce que vous avez beaucoup de résistance. Dans ton quartier, il n'y a personne qui a 5000 euros le mois. Dans ton travail, là où tu travailles, il n'y a personne qui a 5000 euros le mois. Et on imite ce qu'on voit généralement. C'est pour ça que le quartier où vous vivez est très important. Même s'il faut que deux fois par semaine, tu prends un peu d'argent, tu peux louer la chambre, tu prends un meublé, quelque part où c'est bien, tu regardes. Tu paies 40 000 la nuit, tu pars, tu regardes. Après, tu reviens dans ta petite chambre de 15 000. Tu as besoin de semer pour changer ta vibration. Il y en a parmi vous que quand vous arrivez dans certains quartiers, vous voyez, ah, comment ça, ce quartier est riche. Pardon, faisons, on rentre vite chez nous. Rentrons vite dans notre quartier de pauvres. Qu'est-ce que je fais ici? Même dans les pays où vous êtes, quand je suis arrivé en Belgique, il y a des quartiers de riches là-bas. Donnez-moi un peu les quartiers de riches là-bas à Bruxelles. Je me rappelle, il y avait une Camerounaise là, une maman, elle vivait là-bas. Elle me rappelle la première fois qu'elle partait là-bas, ma tante disait, elle aime trop vivre dans les quartiers des riches. La femme a payé le loyer, son loyer était au moins 7 fois plus que ce que ma tante payait. Elle disait toujours que non, ça c'est un choix. Un choix de vie. Tu te mets dans l'environnement. Vous êtes dans le quartier. Quand on voit quelqu'un à la voiture, hey, voiture. Alors qu'il y a les quartiers où les gens, tu achètes la petite Toyota, les gens crient, waouh, elle a la voiture, waouh, waouh. Alors qu'il y a les endroits où les gens ont les grosses Cayennes. Inspirer pour que tu cherches aussi la Cayenne. Si on est ce qu'on voit, si on obtient ce qu'on a vu, pourquoi ta première voiture ne peut pas être la Cayenne? Ça peut devenir ma Cayenne, mon combat. Ma Cayenne, mon combat. Femme bourreau, je vais t'enlever de ma page. Tu as une mauvaise énergie. J'ai besoin qu'il y ait tout se plaindre là. Je me rappelle quand j'étais un peu plus. Je vais d'abord au Cameroun, ça fait peut-être 5 ans. Tu sais, c'est vraiment comme tu as trouvé ta petite. Tu trouves ta petite chambre. Après, tu achètes ta petite voiture. Après, tu. Beaucoup d'entre vous dans votre entourage, même ton mari, si tu dis que tu veux la voiture, mais bébé, pourquoi tu prends une petite voiture? Vous répondez aux attentes des gens qui sont autour de vous. Et c'est à quoi le coach sert. Le coach est là pour vous voir selon votre meilleur aspect. Bon, je peux partir seulement faire un cargo, un conteneur. Le coach dit, mais pourquoi tu ne fais pas 3 conteneurs? Mais tout le monde dans mon entourage fait toujours un conteneur. Non, il dit non. Pose-toi comme objectif de faire 3 conteneurs en une fois. Tu dis, wow, je ne fais pas penser à ça. Te voilà maintenant. Matin, soir, il me faut faire 3 conteneurs. Matin, soir, il me faut faire 3 conteneurs. Tu regardes, tu parles à tes collaborateurs. Ah, elle veut nous montrer que quoi? N'est pas tu es arrivé? Hein? Et que? Si tu les écoutes, tu vas laisser l'idée là. Mais si tu écoutes ton coach, tu vas boxer. Les objectifs vous sortent de votre paradigme. Ça vous sort de la vision que vous avez de vous. Ça vous sort de ce à quoi vous êtes habitué.
Ça vous sort de cet endroit où vous êtes né, vous avez grandi. L'une des choses qui a aidé dans ma vie, c'était de partir en Europe. Et je suis arrivée en Europe, j'ai remarqué qu'il y a les classes d'Africains en Europe. Les Africains pauvres, les Africains moyens et les Africains riches. Même si tu es à Paris, il y a les Africains millionnaires à Paris. Je me rappelle, je n'avais jamais vu un Africain qui avait été dans un internat en Angleterre. J'ai eu un ami qui a grandi dans un internat de riches. Ses parents étaient très riches au Nigeria. Et quand il me parlait de ses amis, souvent on voit le premier ministre face à la télé. Il dit oui, celui qui veut être premier ministre là. Oui, on a fait l'internat ensemble. On passe dans un centre commercial grand. Il dit oui, je connais celui qui a le centre commercial ici là. Oui, c'est mon cousin. Tu crois qu'il va avoir les petites idées? Pendant que toi, tu cherches à faire comment pour voler le bus. Tu peux voler le bus, tu ne payes pas ton ticket de bus. Hein? La vision est influencée par les gens autour de toi. Peut-être que parmi vous, certains d'entre vous, votre objectif premier, c'est de déménager. Tu es en Allemagne dans les cadres, les HLM. Tu es les HLM. C'est l'État qui te donne l'argent. Est-ce que tu sais que c'est possible de vivre? Tu payes une maison où tu payes le loyer de 2000 euros le mois et ce n'est pas l'État qui paye. L'État ne va jamais vous donner un appartement dans un coin de riche. Oublié. Parce que les Africains qui t'ont connecté là-bas t'ont dit que vraiment, c'est comme ça que nous on fait ici. Hein. Puis, comme tu viens d'arriver là, fais tout et tout pour avoir la carte ici. Dès que tu as la carte de séjour ici, maintenant l'État te donne ton argent. Voilà ton projet de vie. Hein. Allez sur le social. C'est fini pour toi. Après, tu tapes ta petite maison de deux chambres au pays là. Dieu même. Quand je suis arrivé en Europe, quand je suis tombé à côté des gens comme ça, ça n'allait pas. Je ne pouvais pas supporter. Non. Oui, on a volé le bus, on nous a arrêtés. Oui, coupe-moi le billet, non. Tu n'as plus les cartes pour couper le billet. Tu vas là, la rue de plus, tu as froid. J'ai toujours cette image dans ma tête. Un jour, j'étais à la rue de bus comme ça en Angleterre. Je faisais le clean le matin. Si ça bug, vous revenez. Je faisais le nettoyage le matin. Je suis à la rue de bus comme ça. Et mon gars qui était arrivé avant moi, ses parents étaient un peu riches. Donc, dès qu'il est arrivé là-bas, il a dit à son père, comment il veut la voiture. Il a acheté une voiture de 600 par an. En quittant le pays, il conduisait déjà. Tu vois un petit Camerounais de 22 ans qui a sa voiture en Angleterre. Et il me dit, comment il peut vraiment marcher dans le froid, c'est quoi? Et moi, il croit que j'étais la reine des souffreuses. Il dit que non, tu aimes trop la belle vie, tu aimes trop gâter. Me voilà dans le froid. Je reste dans le froid comme ça. Ça touche mes doigts. Puis je vois une jeune fille qui passe, elle était blonde. Une blonde comme ça là. Tu vois les jeunes anglais là, quand l'enfant est à 16 ans, il fait son permis. Quand il a 21, 21 ans, en appartant à l'université, on lui donne le truc. Quand, 22 ans, quand il est sur l'université, il prend son premier boulot, clap, il change la voiture, il prend sa Cayenne, il vient sa Range Rover. La voix passe, elle s'arrête à le coup de feu. C'est comme si elle me décrit dans ma tête le jour là. Je ne suis pas venu accompagner les gens. Si je décide, je peux aussi être celle qui est dans la voiture, dans la chaleur. Pourquoi pas? C'est devenu mon objectif. On n'est pas là seulement pour... Comment on dit ça? Et beaucoup de personnes, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. C'est parce que ils n'ont pas la vision.
Deuxièmement, il y a un esprit d'auto-sabotage en eux. Bonjour, Aimée. Il y a un esprit d'auto-sabotage. Tu arrives à Dubaï comme ça. On monte les coins. On te montre que voilà le quartier des bobos. Que n'est-ce pas, tu veux montrer que tu es riche. On est là depuis, tu crois qu'on n'est pas parti vivre là-bas, pourquoi? En te faisant visiter, on te montre que voici pour les pauvres, voilà pour les riches. Dans ta tête, tu peux aller peut-être temporairement vivre là où il y a les pauvres. Mais tu te dis que moi, je suis de passage ici haut. Et ça vient toujours avec les efforts. Tu es là, on a tout ton objectif, c'est que même si c'est la chambre, même si c'est 1 mètre carré ou 2 mètres carrés, je dois trouver un appartement au centre-ville ou bien du côté où il y a des gens qui ont l'argent. Et pour ça, tu dois connaître ce qu'il faut. Donc, l'autre étape quand tu te fixes des objectifs, c'est que tu dois savoir ce dont tu as besoin pour atteindre cet objectif. S'il te faut acheter pas une maison, est-ce que tu sais de quoi tu as besoin? Certains d'entre vous, votre record de crédit, là, on appelle ça comment là? Credit score. Oui, credit score. Donc si on te check à la banque, on voit que tu n'es pas crédible. Peut-être ta première étape, c'est de travailler dessus. Tu planifies, tu rembourses tes dettes. Et en remboursant les dettes, je vous avais dit, quand on rembourse les dettes, on économise une partie. C'est pas que tu touches 1000 euros le mois, tu crois que tous les 1000 euros, tu donnes là-bas. Non. Remboursement des dettes, c'est maximum 30% de ton revenu. En supposant que tu vis avec 30 ou 40% de ton revenu. Et certains d'entre vous, vous devez ajuster aussi ça. Vous vivez au-dessus de vos moyens. Vachement. Euros, ton loyer c'est 570 euros. Avec les factures, tu es dans les 800 euros. Déménage. Cherche la chambre de 250 euros. Tu restes là-bas un an. Tu vois le bien que ça va te faire. Parce que les 300, 400 euros de dessus là, rembourse tes dettes avec. Économise. Ce qui gagne beaucoup votre vibration quand vous avez des objectifs, c'est quoi? La peur. Et la peur vient du fait que vous devez aux gens. Peu importe la somme que tu as devant toi, que tu dois à quelqu'un, ou la somme que va coûter ton appartement ou bien la maison que tu veux acheter. Ces sommes sont divisables en petits. Donc, peu importe la montagne devant vous, ayez la capacité de diviser en petites portions. Break it down. Break it down. Mon crédit, je dois peut-être 80 000 euros. Parce que quand tu vas diviser, tu dis, ok, si elle veut payer ça en 3 ans, faisons pour le calcul. Mettons 20 000 euros. Tu as totalisé 3 de tes dettes, c'est 20 000 euros. Ok? 20 000 euros. Tu veux prendre 2 ans pour payer. Donc on divise par 24 mois. Ça veut dire que tu dois donner 830 euros par mois. Maintenant, si tu payes bien, tu peux avoir 3 crédits, trois dettes. La première dette, c'est peut-être 5 000 euros. Concentre-toi sur 5 000 euros. Tu diminues. Tu payes un peu. Et pendant ce temps, les deux autres qui vont t'écrire les lettres pour te stresser, tu les contactes, tu leur dis, bon, je vous donne peut-être 50 euros chacun de mois. C'est ça qui me présente en Angleterre. Quand tu dois quelqu'un, même si tu lui dois 5 millions d'euros, et que tu lui dis que je vais te payer 5 euros par mois en attendant, la personne prend d'abord. Donc, pendant que tu donnes 800 euros ici, tu donnes peut-être 50 euros aux deux autres personnes pour éponger le crédit de 5 000 euros d'abord. Parce que quand tu vas finir de payer le crédit de 5 000 euros, tu seras très content. Il y a un truc en toi qui va te dire, mais oui, ça veut dire un démon de mis à terre, une dette d'écraser. Avant d'arriver au niveau...
niveau où tu peux te permettre d'aller vivre dans les grands quartiers et tout. Va d'abord là où tu économises l'argent et tu rembourses ce que tu dois. Parce que beaucoup d'entre vous, vous allez m'écouter, vous allez dire, ok, ça veut dire qu'avec toutes les dettes que j'ai, je ne vais pas aller vivre mieux. Tu as les dettes, au lieu de prendre 800 euros pour rembourser les dettes, tu prends 800 euros pour aller te loger mieux. Erreur. Erreur. Tu vis dans un appartement de 600 euros, 300 000 le mois ou bien 100 000 le mois. Cherche, il y a les chambres de 25 000 aussi d'euros. Tu divises, vous mettez le matelas, tu mets pour les enfants là-bas, avec le truc, tu mets pour toi là-bas. On est ici là pour 6 mois. Parce que les 6 mois, l'argent que j'ai au-dessus là, les 100 000 que j'ai dépensé au-dessus pour entretenir la maison, faire ceci, je vais payer mes dettes avec. Quand tu finis les dettes en 6 mois, tu prends encore peut-être 5 ou 6 mois d'autres. L'argent là maintenant, tu mets de côté, tu cotises. Ce qui fait que quand tu finis dans ta chambre de 25 000, où tu es saturé avec les enfants, tu as mis 600 000 de côté et tu n'as plus de dettes. Tu auras le mindset de quelqu'un qui peut évoluer. Ce qui tue vos idées, ce sont les dettes et les coûts financiers que vous avez par mois. Voilà les deux choses que vous devez arranger. Vous pouvez répéter ce que j'ai dit. Et il y a eu une époque de ma vie aussi où, en voulant faire tout ce qu'il y avait sur la roue de la vie, quand vous m'écoutez, allez sur Google, vous tapez roue de la vie. J'ai compris que je ne pouvais pas tout faire en un coup. Donc j'ai choisi 3 ou 4 choses sur tous les 8. Je me suis concentrée dessus. Et l'une des choses que j'avais dû laisser à un moment, j'ai laissé faire trop de sport. Parce que le temps que je faisais le sport, je me levais et je faisais direct. Donc, tu te lèves et tu dis que je choisis 1, 2, 3, 4. Je travaille d'abord sur les 4 choses ici. Tu investis ton temps, ton argent. Peut-être que tu veux restaurer ta relation avec tes enfants. Ça fait qu'il va falloir que tu rentres un peu tôt. Ou bien que tu appelles les enfants tous les matins pendant 10 minutes. Donc, tout objectif que tu as, tu intègres. Dans ton quotidien. Et comme tu intègres comme ça, j'ai pour objectif de finir mes dettes en 6 mois. Donc, décembre 2024, plus de dettes. Si tu payes en dette 30%, pas aussi 20% tu gardes. Ça veut dire qu'en finissant de payer tes dettes, tu as aussi économisé. Décembre 2024, toutes mes dettes sont finies. Mais là, quand tu finis de payer tes dettes, l'argent que tu payes ta dette avec, tu bascules ça sur l'économie. Donc au lieu d'économiser 20%, tu économises maintenant 50%. C'est fou comment l'énergie de quelqu'un change quand il a l'argent qu'il a gardé. Oh, Jesus! Oh, quand tu as l'argent, tu as confiance. Quelqu'un t'énerve même en route, tu te pousses, il passe. Quand tu vois quelqu'un qui a l'argent conduit et tu vois quelqu'un qui est pauvre conduit, oh, vous avez des taximans, hein? Poussez-vous, les taximans passent. Les motos d'Aziman, alors c'est grave. Les benzikineurs, mamie, pousse-toi, là à côté, passe. Quand tu vois quelqu'un qui a l'argent, tu l'insultes, mouf. Pas avec ta malchance. C'est l'argent, c'est l'effet de l'argent. C'est l'effet de l'argent. N'ayez pas peur d'économiser. Et une autre chose qui va se passer quand tu vas commencer à économiser, les problèmes, ça c'est mon dernier point, les problèmes qui vont surgir, tu n'es pas la seule personne qui peut résoudre les problèmes des gens.
Oh, mon ex-belle-mère est malade. C'est d'économiser et ne pas donner aux gens. Les gens aiment les économies des autres. C'est sucré. Numéro 1, on n'investit pas ses économies sur le rêve de quelqu'un d'autre. Écrivez ça ici. On n'investit pas ses économies sur le rêve de quelqu'un. Même si c'est ton gars qui te fait l'amour. Tu n'es pas le seul membre de ta famille. Donc s'il y a un problème, tu participes. Quand tu demandes que quelqu'un t'appelle, ouais tata, oui les enfants ils sont malades, oh tata aide-moi. Demande que toi-même tu as fait comment. Tu n'es pas Jésus de la des gens. Arrêtez de vous prendre pour Jésus. Donc écrivez-moi cela. Je ne suis pas Jésus. Allez-y. Ceux qui écoutent ceci, ma vraie page, le nom sur ma page, c'est Reine Lumière Officielle. Et le numéro de téléphone pour lequel on me contacte, par lequel on me contacte, pardon, plus 237-693-50-22-66. S'il y a n'importe qui avec n'importe quel numéro, même si tu vois le numéro, c'est sur mon visage ici là, c'est que c'est l'arnaqueur. Si ce n'est pas le numéro qui vient de te donner là, c'est que tu es en train de te faire attaquer. Plus 237-693-50-22-66. Les arnaqueurs prennent mes vidéos, ils mettent au chat en ligne et ils mettent le numéro sur ça. Donc soyez prudents. Quelqu'un vient dans les commentaires, te prend, il t'amène ailleurs, c'est ton problème. Et si tu veux te faire arnaquer, fais-le en douce. Voilà, j'ai dit, je ne suis pas Jésus. On n'investit pas ses économies sur le rêve de quelqu'un d'autre. C'est ça. Et quand t'appelle, on te met la pression. Demande-toi que il n'y a pas d'autres membres de la famille, il n'y a pas d'autres personnes. Si les gens s'ils n'arrivent pas à me joindre, ou bien si je meurs et que le problème là se passe, ils vont faire comment pour résoudre? Ils vont tout résoudre leur problème, non? N'est-ce pas? Si je meurs aujourd'hui et ils ont ce problème, ils vont le résoudre comment? Une époque quand j'ai commencé à pratiquer ceci, parfois tu économises, tu as un peu ton petit argent là, tu as ton petit argent, oui ma femme va avoir la césarienne, après tu découvres même que c'était même pas la femme de c'était même pas l'enfant de ton cousin qui demandait ça, elle est partie faire l'enfant avec quelqu'un d'autre, elle est venue mettre sur ton cousin, 5 ans plus tard vous découvrez, alors que quand elle était, elle avait la césarienne, il est venu prendre l'argent dans la famille. J'ai une personne qui m'a contacté qui donne l'argent pour la césarienne de sa femme. Et je venais de décider que je ne donne plus l'argent aux gens comme ça. C'est vrai que c'est la césarienne. Je te dis, ah, si elle meurt, laisse la personne passer. Laisse-le passer, tu verras. Il n'a pas d'âge. Cette personne ne va pas mourir. Laisse la personne passer. Il appelle et te met la pression. Supposons que Seigneur ne marche pas dans ta vie. Supposons que tu ne peux pas. Tu fais comment? Quand on vous demande l'argent maintenant, proposez la prière pour les gens. Propose la prière. Après, tu dis que ouais, tu vas alors faire comment? Répétez avec moi cela. Ouais, vous allez alors faire comment? Vous vous prenez trop pour Jésus. Quand on vient te proposer, on vient te parler d'un problème, tu crois que c'est on te demande la solution. Répète avec moi. Ouais, tu vas faire comment, non? Répétez. Ouais, tu vas faire comment, non? Oui. C'est ça, Nabo.
Ouais, tu vas alors faire comment? Voilà. Vous n'êtes pas celui qui doit résoudre tous les problèmes de la terre. Quand tu demandes, tu vas faire comment? La personne dit que ah, tu désistes encore. Que ouais, tu vas faire comment alors? Parce que quand les gens viennent vous donner des problèmes, ils veulent déposer sur vous. Et quand ils déposent, c'est votre énergie et votre argent qu'ils veulent. C'est ça. Que ouais, tu vas alors faire comment? Tu lui poses la question pour que son cerveau réfléchisse. Beaucoup de personnes viennent vous donner leurs problèmes parce qu'ils veulent que vous réfléchissiez à leur place. Alors que ton projet que tu avais, ton argent que tu avais gardé là, c'est pour faire ton projet. C'est pour faire tes papiers pour partir avec. Tu prends ton argent, tu lui donnes, il ne te remet jamais. Même si la personne te dit qu'il va te payer, il va te rembourser. Jamais. C'est ça. Maintenant, voilà notre mot. Répétez après moi. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir, Inch'Allah. Dieu va t'aider. Dites-le. Tu peux dire à quelqu'un que la personne va s'en sortir sans vouloir l'aider. Allez-y, dites-le. Le Seigneur fera. Tu vas t'en sortir. Voilà. C'est pas difficile, non? Ah, tu vois. C'est dur. C'est ça, guerre prophète. Que tu vas avoir ça comment? Oh, gogo là. C'est ça. Mais ouais, tu vas t'en sortir. Ça va aller. Tu vas t'en sortir. Tu as des projets avec ta femme? Ton argent là, c'est pour toi-même. Donc la prochaine fois que quelqu'un. Dans cette journée qu'on venait vous tester, je vous prépare seulement. On va vous tester aujourd'hui. Oui, vraiment, l'enfant n'a pas mal. Toute la nuit, le ventre, l'enfant chauffait. Je n'ai même pas l'argent pour aller à l'hôpital. Première réponse, c'est quoi? Mes élèves, là, vous êtes où? Vivi de Jésus, c'est quoi ça que je vais m'en sortir? Je vais te bloquer sur mon direct. Voilà les victimes là, ici, voilà. Comment l'enfant n'a pas mangé, tu sais. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas payé, madame. Moi-même, à mon boulot. On dit quoi? Ouais, tu vas faire comment alors? Ah, vous dites vraiment. Je ne sais pas, j'essaie depuis là, vraiment. Ça ne va pas. Prochain, tu sais quoi? Tu vas s'en sortir, Inch'Allah. Ça va, Dieu va aider. Dieu fera. Dans votre cœur que la mère là est. Oui. Chaque jour, il y a des. Donc, quand tu as fixé des objectifs, comme on a vu tout à l'heure là, tu as des démons qui viennent pour te faire sortir l'argent de tes poches. Ouais, attends, je t'envoie, je te fais le transfert. Je te fais le transfert. Quand tu es pour le transfert. Que tout prêt sur vos applications. Oui, je t'ai fait Orange Money. Non. Ouais, maman, tu vas leur faire comment? Même vos parents. Ayez un budget que vous donnez à vos parents mensuellement. Et comme tu as la donnée là, c'est fini. Il te dit qu'il n'y a pas d'un endroit pour acheter ma marchandise. Tu me dis que je veux des habits. Tu m'envoies les photos de 6 habits. J'ai payé mon transport, payé mon logement. Sur le marché, tous les jours, je cherche. Tu ne me demandes pas un habit, hein? Pas deux. Que tu sois ma mère ou mon père.
Je dis seulement que, ok, j'ai compris. J'ai compris, Goyou. Tu vois, je suis rentrée seulement. Même oser me demander que mon habit l'est. Je vais dire que je ne t'avais pas dit que j'allais acheter, moi. Donc, quand on va vous poser le problème la prochaine fois, dis seulement, ok. Ne dis pas, je vais voir. Dis, j'ai compris. Ne dis pas, je vais voir. La personne dit que tu as dit que tu allais voir. Non. J'ai compris. Je veux aussi faire construire ma maison. Je veux aussi aménager. Je veux aussi acheter la voiture. Et ce sont les petites choses-là qui vous empêchent de réaliser vos projets. C'est ça. Tant que tu ne gères pas l'aspect de tes finances, Dieu ne peut pas t'utiliser. Même s'il dit que tu as l'orphelinat ou n'importe quoi, dès qu'on va voter l'argent, ton cousin vient te poser le problème, tu prends l'argent des orphelins, tu vas donner à ton cousin. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Hein? Tu lances ton business, personne ne te donne l'argent à la famille. Maintenant, tu vas agrandir ton business, personne ne te donnera. Lisez ce qu'on vous montre, les actes des gens. Tu es la personne à ta famille qui ne t'a jamais aidé. C'est toi qui couches chaque jour. Tu dis que ouais, tu vas faire comment avec. Et les gens sont quand ils t'appellent comme ça, ils déchargent tous les problèmes sur toi. Tous leurs problèmes. Écoute ça, maturité. Oui, je vais y aller. Hein. Il y a le mode avion sur le téléphone. Voilà encore une autre astuce qui est prudente. Mode avion existe sur le téléphone. Bonjour, non. Mode avion, c'est ici. Assure-toi que tu as en données mobiles. Tu causes avec quelqu'un, ça ne va pas. Tu prends le mode avion. Le mode avion est là. Tu fais les coutumes, on ne t'aide jamais. Quand Dieu te bénit, chacun te pose des problèmes. Et c'est quand même là que. On parle, je vois, c'est bizarre. Je coupe. Je passe en mode avion. Et là, tu appelles souvent pour ça. Et tu ne veux pas savoir ce qu'il faisait avant que je m'appelle. Tu es couché dans le lit, tu t'ennuyais. Il faut que tu m'appelles. Je ne décroche pas. Et si je ne décroche pas une advertance, parce qu'elle croyait que je vais me dire que je suis intéressant. Pendant qu'on est en conversation, je mets un mot d'avion, ça coupe la conversation. Oui. Autant, oui ou non. Tu n'as pas mouru parce que je ne t'ai pas parlé. S'il rappelle, tu ne me décroches pas. Laisse-moi me concentrer sur mes vidéos que je faisais. Vous m'avez, chaque fois que j'ai fait mes directs, tous mes téléphones sont occupés. Celui qui est vide là, qui n'utilise pas. Celui qui appelle dessus. Généralement, c'est le business. Faites comme ça. Ta, dépose ça là-bas. Faites comme ça. Valorisez votre compte, votre temps. Avant que tu te sois chiche avec ton argent, il faut aussi que ton temps, même déjà, tu commences à être chiche avec. Si il n'y a rien à faire, je dors. Je dors. Oui. Ah, donc tu as refusé de m'accompagner pour dormir. Maman, vous exagérez. Je suis obligée d'accompagner. Tu te réveilles, tu te mets en cause tes objectifs. Tu bosses. Dans mon entreprise, je blague avec les employés. Blague pas. Celui qui est connecté travaille pour moi à 3 heures, il va recevoir plus d'argent que tous les autres. Je m'en fous.
Il va recevoir d'argent, plus l'argent que tout le monde. Apprenez à abréger les conversations. Abrège, frère. Abrège. Quand tu as dit comment tu veux quoi? C'était quoi? Tap, 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 tap. Ok, j'ai compris. Claire. Simple. Prenez ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Décidez d'au moins deux choses, deux aspects de votre vie sur lesquels vous allez travailler. Deux. Là, je parle parce que c'est des vidéos, c'est pour construire ma chaîne. Et ça aide les gens. Ça fait partie de mon travail. Mais même pas dans mon conversation. On parle de quoi? Parce que même les gens qui vont te donner l'argent, mes clients qui paient le plus, je parle le monde avec eux. Je parle le monde avec eux. Parce que, et même la conversation, il paye. Et quand on est connecté, tac, 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 c'est fini. Oui, dis-moi encore un peu. Attends, 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 attends. Oui, je voulais te demander. Ah, j'ai oublié. Ça va venir. Voilà, ta tante dit mon téléphone est gâté. Tu dis Asia. Elle dit merci. C'est bon, tu es une bonne élève. Mon téléphone est gâté. Ah, ça va aller, maman, ça va aller. Parce que, ok, je vais voir comment elle va acheter l'autre. Pourquoi? Ne te plains pas que les gens ne sont pas sensibles à tes problèmes. C'est toi qui fais l'erreur. Tu es moudou. Tu es idiote. Tout ça, ça part de votre manque de confiance en soi. Parce que vous voulez toujours que les autres, vous voulez vous sentir bien d'avoir aidé quelqu'un. Hey, je l'ai aidé. Hey, je l'ai aidé. Hey, hey. Je l'ai aidé. Ha, hey. Ne m'aide pas. Quand quelqu'un vient m'aider, tu arrives chez moi, tu déposes quelque chose que tu m'as apporté. En sortant, elle va te donner quelque chose. Je ne veux pas, je ne veux pas les dettes émotionnelles. Je ne veux pas les dettes émotionnelles. L'autre jour, mes amis me disent que pour un reportage qu'ils sont en train de faire dans le média, ils ont demandé l'apport d'un historien. Je dis, vous allez me payer combien? Ah non, non, il nous connaît, il ne nous a dit que jamais. Vous ne publiez rien dans le média en ayant pris l'énergie, les compétences professionnelles mentales de quelqu'un. Non! Et beaucoup de ces choses, comme tu dis, Marie, c'est ce qu'on nous a appris dans l'enfance. Beaucoup d'entre vous dans l'enfance, on vous a appris à tout partage. Non. Moi, je traite mon enfant différemment des autres enfants. Je vous dis, cache. N'aie pas peur. Mon enfant sait qu'elle est mon enfant. Elle sait que s'il y a quelque chose, elle me demande, je vais te donner. Pas l'affaire que tu te. Moi, j'ai grandi en me mélangeant aux enfants des autres personnes. Quand mon père vient ici, il me donne 500 dollars, 500 à tout le monde. Non. Quoi? Non. Quand tu grandis, tu peux conduire. Tu prends ma voiture, tu conduis. Tu es mon enfant. Ce qui a fait que vous grandissez, tu touches un peu de ton salaire, entre un peu. Tu vas manger avec qui? J'ai aidé celle-là, j'ai qui est.
Ça, c'est votre thérapie, hein. C'est ton travail là-bas, ton travail. Donc, Dieu est en train de te soigner, il te délivre de l'esprit qui veut trouver des gens. C'est à toi, tu es dans ta période de libération. Parce que les autres personnes, si c'était leurs enfants, ils ne feraient pas pareil. Tu es en Europe là-bas, ton enfant est ici chez ta soeur. Quand tu achètes les habits, tu achètes pour ton enfant, même chose que pour tous les autres. On ne peut pas savoir que sa mère l'aime. On ne peut pas savoir que la mère de cet enfant l'aime. Alors, je ne veux pas que ma soeur dise que j'ai fait la discrimination. Bene, bene. Bonjour. Tu envoies le t-shirt à tout le monde. Achète ta patte, toi. Oui. Il faut qu'elle se sente spéciale. Moi, j'ai grandi avec ça. Quand on parlait même au téléphone. On parle au téléphone avec mon père. Dès qu'il prend un téléphone, il avait un peu de jouer comme ça là. Moi aussi, je veux parler. Je divise mon père avec tout le monde. Et quand ils partent voir leur père, moi, je ne suis pas là. Leur père ne me connaît même pas. Je partage mon père avec vous. Et votre père, je ne le connais même pas. Hein? Qu'est-ce que vous voyez un peu? Vous avez reçu ça dans l'enfance. Moi, je fais la discrimination. Même parmi mes employés. Je m'en fous. Parmi les employés, tu as toujours un là que il prend ta chose comme si c'était pour lui, même mieux que pour lui. Pourquoi quand il faut faire des récompenses, tu vas faire la même chose à tout le monde? Ils ne prennent pas ta chose comme pour eux. Moi, il y a votre mal. Elle fait la discrimination parmi les employés. Oui, je fais. Je fais moi. Telle personne est votre favori. C'est parce que la personne m'a d'abord favorisé que je le favorise. C'est comme ça. Cache. Je vous dis ça cache. Et je ne m'excuse pas. Alors, on apologise. On est dimanche. Sur mes 20 combien d'employés que j'ai? J'ai maximum 2 qui vont se pointer aujourd'hui pour bosser. Pendant que les autres seront quelque part là-bas couchés avec leur gars de faire la voir la télé, regarder tant de week-end. Pourquoi tu veux que quelqu'un sorte l'argent pour payer et récompenser? Que je récompense la même chose? Soyez, commencez à devenir logique. Là, tu as fait un bon bongo Tchobi là. Ils sont en train de manger eux là-bas. Ils sont contents. Maintenant que l'autre est au bureau aujourd'hui, elle se casse, te voilà. Tu ne peux pas recompenser de la même façon. Ça, c'est des choses qu'on nous a fait, qu'on nous a montré en grandissant. Parfois, tu donnes les choses à ton enfant, tu vois que les gens ont l'habitude de partir prendre sa chose. Dis à ton enfant que qu'elle te donne quelque chose. Garde pour toi. C'est quoi? Tu peux t'acheter quelque chose, tu manges aussi seul, non? Et tout ça là, j'étais comme ça quand j'étais petite. Bon, ma tante, on fait le pilier dans la maison. Pilier, les enfants ne mangent pas, ils fuient. Elle rentre avec les ponts sautés avec le poulet. Elle fait ça pour ça, elle ne peut pas. Ça, je sens seulement l'odeur. Elle appelle ses enfants. Ils viennent dans la chambre, ils mangent avec elle. Après, ils sortent, on joue. Le jour où mon père apporte quelque chose, il donne pour tous mes cousins et moi. Quand leur mère leur donne la nourriture, il donne seulement à eux. Pardon, elle donne seulement à eux, elle ne me donne pas. Beaucoup d'adultes ont de la peine à accomplir quelque chose dans leur propre vie. Parce qu'ils ne connaissent pas. Je suis déjà grande. J'ai ma maison. Tu fais après, tu te sens mal. Parfois, tu as un argent, tu n'oses pas acheter quelque chose qui est bien pour que les gens voient. Et tu as peur qu'on dise que, oh, tu as. J'ai bossé, j'ai eu mon argent. Tu vas acheter ma voiture, j'achète pour toi. Tu es folle. Parfois, tu es dans le foyer.
rien. On te donne maintenant la promotion ou bien quoi, quoi. L'argent augmente. C'est ce qu'on a dit bien commun. Ce qu'elle voulait acheter depuis, elle va acheter aujourd'hui maintenant. On vous a trop habitué à sortir ce qui vous est précieux pour donner aux gens. On te fait sortir ce qui est précieux, tu donnes seulement aux gens. Tu partages. Non. Quand tu veux te sentir bien, tu détermines le jour. Tu peux acheter quelque chose au magasin. Tu peux donner aux orphelins. Tu te sens bien. Soit tu envoies à mon association. Une fois par mois, on sort normalement pour ça. On sort, on donne, on vous envoie la vidéo, vous regardez. Ça vous plaît. Mais pas l'affaire que tu veux faire quelque chose. J'ai compris, je me suis rendu compte que ça m'arrivait même avec les enfants. Je le sais souvent, j'étais tellement perdu dans mon rôle de mère. J'avais quelque part quelque chose de bien comme ça. Au lieu d'acheter même, je mange d'abord moi-même. Il faut que je garde pour les enfants. Il faut que je garde. Et je suis restée comme ça, j'ai dit non. Je m'assois, je mange. Puis je suis ma bouche. Je prends et poste même sur mon statut. Et là, tu vois le papier du restaurant. Maman, tu es partie où? Ah oui, je suis partie manger à tel restaurant là-bas. Maman, ouais, pour nous. Il ne demande même plus. Il n'a pas compris. Que ma mère allait se faire plaisir. Elle ne me met pas dedans. Je n'ai pas obligé. Je n'ai pas obligé. Vous devenez esclave de vos enfants. Ça arrive avec les femmes qui viennent de se marier et leur belle-mère. Ton mari veut t'acheter quelque chose qui est bien. Il achète les boucles. Sa mère voit vous. Homme, quittez à côté de vos mères, s'il vous plaît. Tu prends un argent de poche, tu donnes à ta femme. Elle parle à chaque chose qui est bien. Elle vient mais aussi comme ça lui plaît. Pas que ta mère voit ça le soir. Tu achètes seulement pour ta femme, tu vas acheter pour moi. Ta mère a son mari ou elle a eu son mari. Tu ne peux jamais être le mari de ta mère. Donc arrête de tromper les femmes. Tu prends une femme, tu l'épouses alors que tu as un mari à ta mère. Si ta mère c'est ton mari spirituel ou c'est ta femme spirituelle, ne peux pas épouser quelqu'un physiquement. N'épouse pas quelqu'un. Eva, merci. Alors, tu prends la mère d'enfant de quelqu'un, tu la mets. Dès que ta mère dit, je veux ça. J'avais une belle mère comme ça à l'époque. Son fils, ce soir-ci, m'a acheté les chaussures de 2000 euros. Même 5 paires de chaussures. Elle voit. Ah, moi, elle veut aussi. Quand j'ai commencé à savoir, elle voit mes statuts. Je vais périr comme pour toi. Elle avait compris que l'affaire, c'est là, c'est gâté. Ah, porteur, c'est gâté. Elle t'a envie déjà, là, c'est mort. Elle est même jalouse de leur belle-fille. Ton fils peut avoir l'argent. Et toi, quand tu étais jeune, ton mari n'a pas mis l'argent sur toi. Mais ton fils, il met l'argent sur sa femme. Pour le laisser. C'est la femme là qui lui fait l'amour. C'est elle qui fait ses enfants. C'est elle qui ne peut pas s'allouer, il mange. Et moi, j'aimerais bien que les hommes valorisent un peu plus leurs femmes. Dépôt, tu supportes ta femme avec un dépôt d'argent. Supporte ta femme avec le cadeau qu'elle aime. Où est de l'amour là, c'est quoi? C'est ça l'amour. L'équilibre spirituel vient à travers l'épanouissement de ta famille. Tu fais plaisir à ton mari, tu fais plaisir à ta femme, tu fais plaisir à tes enfants. Tu sens comment il y a quelque chose, ça fait vraiment la chaleur dans ton cœur. Tu te sens c'est une bonne sensation, ça te plaît. Oui.
pas vos affaires là. Votre combat est plus spirituel et énergétique. Il y a des habitudes que vous avez prises de l'enfance. Oui, beaucoup n'ont pas reçu l'amour de leurs parents. Voilà, ma mère reste ma mère, ma femme reste ma femme. Ce que je veux faire de ma femme, ma mère ne peut pas intervenir. C'est ça. Merci, Urich. C'est ça. Et pour voir même la carrue d'un homme, regarde sa femme et ses enfants. Regarde sa femme et ses enfants. Pas seulement qu'il vient, oui, il vous donne à manger, il vous donne à boire. Non. Regarde comment il entretient sa femme. C'est là que tu vois l'estime que cette personne a pour lui. Est-ce que cette personne la sème? Regarde ses enfants. Il y a des gens qui ne blaguent pas. Ma femme d'abord, mes enfants d'abord. Dès que vous venez avec vos faux problèmes familiaux là, même pour que vous passez chez eux en vacances, ils ne veulent pas. Ils ne venez pas. Ne me visitez pas. À chaque fois que vous êtes venu, j'ai eu le problème à ma femme. Et ma femme n'est pas votre bonne. Est-ce que ta femme est la bonne de ta mère ou de tes frères et tes soeurs? Elle ne peut pas bien, hein? Toi-même, tu as donné comme ma femme. Tu as donné comme ma femme. C'est tout la femme du mariage qui va dire. Toutes ses belles soeurs sont derrière elle. On prend. Vous venez chez elle, vous entrez dans sa chambre. Ne permettez pas à votre belle famille d'entrer dans votre chambre conjugale. Et les mères là, mettez bien votre vie de telle façon que vous ne dépendez pas trop financièrement des enfants. Il vient de se marier, il vous construit son foyer. Tous les mois, tu as des problèmes qui dépassent l'argent qu'il peut dépenser dans son foyer. C'est la méchanceté, moi je vous dis. Il touche 300 000 de salaire. Toi, la mère, seulement tu prends 100 000 par mois avec tes problèmes. Tu es méchante. Tu es méchante. Et si tu donnes plus à ta mère que tu ne donnes à ta femme, toi-même, tu es méchante. Et tu te fais du mal à toi-même. Ta femme, c'est toi. C'est pour ça que tu es dans un mariage où on ne te traite pas bien. Tu n'exagères pas quand tu te demandes qu'on te traite bien. La plupart du temps, vous tolérez le mauvais traitement. Trop. Trop. Tu supportes, tu essaies, tu donnes les excuses, les raisons pour supporter. Ça ne va pas, chérie. Je ne mérite pas ça. C'est pour ça que vous devez avoir vos sources de revenus. Tu dois avoir tes qualifications, tes diplômes, tes formations. On te met au monde pour que tu le sortes de la galère. Lui-même d'abord, il t'a positionné où? S'il avait investi sur toi, il t'avait grondé, il t'avait discipliné pour que tu finisses l'école, que tu étais ingénieur, il y en a parmi qui n'ont pas fini l'école parce que vos parents vous ont laissé quand vous voulez arrêter. S'ils avaient poussé, tu avais avancé, ce que tu as fini. Ce qu'on juge, tu as peut-être dans 3-4 000 euros de salaire. Quand tu vois là, tu travailles au McDo, 1 200 euros.
aller, laisse-moi réparer ma vie maintenant. Takanan, on y a peut-être. Takanan, laisse-moi, j'arrange ma vie. Et parfois, quand tu essaies d'arranger ta vie, tu as aussi des enfants. Tu as accouché beaucoup d'enfants, il faut que tu t'occupes des enfants. Tes enfants ne sont pas ton fardeau. Apprenez à vos enfants à être indépendants, autonomes. Vous guidez, vous dirigez. Voilà, bon. C'est tout ce que j'avais pour vous. J'ai enregistré ceci, je vais mettre ça sur YouTube tout à l'heure. J'espère que de tout ce que j'ai enseigné, vous avez noté, vous allez mettre en pratique. Si vous ne pratiquez pas, tant mieux pour vous. Vous restez là où vous êtes. Nous, on avance. Monsieur Bikuta, bonjour. C'est ça. Pratiquez. Pratiquez. Je ne regarde personne. Comme j'ai enseigné là, tu fais comment pour savoir que je vois les gens? Je ne regarde personne. Parfois, mettez un peu votre aspect là que on m'a fait, on m'a fait. Discipline-toi toi-même. Je vais parler de discipline. Parce que vous êtes paresseux. C'est tout quelqu'un qui va venir te voir. Quelqu'un qui va t'aider. C'est quelqu'un qui va te sortir ton trou. Arrêtez ça. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez. J'ai demandé d'arrêter de donner l'argent aux gens. Dites-moi ce que vous avez retenu de tout ce que j'ai dit. Les étapes. Et vous me dites ce sur quoi vous allez travailler. De rien aide. Beaucoup d'amour pour toi aussi. La bonne gestion des revenus économiques, oui. Manger moins de viande, ça ralentit l'énergie. Quoi d'autre? Érage, je t'en prie. Tu dois avoir un plan bien structuré. Tu n'es pas Jésus, ce n'est pas toi qui dois sauver tout le monde. Ta vision est influencée par les gens autour de toi. Planifier sa vie. Ne pas investir son argent dans les projets de l'autre. Oui, on a parlé de ça aussi. Abréger les conversations. Oui, on a parlé de ça. Se fixer des objectifs. Économiser et ne pas dépenser sur les autres sans discernement. Ne même pas dépenser sur les autres. Faire du sport. J'ai demandé de planifier plus. Il faut savoir ce dont on a besoin. Avancer seul. Oui. Ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Très important. Rembourser ses dettes. Pendant qu'on rembourse, on économise. Avant d'aller vivre dans le beau quartier, il faut d'abord, il faut aller là où on peut plus économiser. Oui. Se concentrer sur soi et se discipliner. Privilégier les siens, cercle restreint, oui. Écouter ses guides, les signes. Oui, les signes, on a parlé des signes. Ne pas ignorer les signes. La peur est un frein pour la réussite. Intégrer ses objectifs dans le quotidien. Écrire les choses qu'on veut faire pour changer sa vie. C'est ça. Tu veux changer quoi dans ta vie? Pour ça, il te faut faire quoi? Tu n'es pas le Jésus de ta famille. Arrête de prendre tout ton argent et ton temps pour vouloir sauver tout le monde. Valoriser son temps.
bien ça. Mon public est en train de changer. Je vous ai dit que je veux maintenant les gens qui écoutent. Je veux plus les, oh, je te connais depuis 5 ans. Aide-moi. Économiser et vivre en dessous de ses moyens. Travailler sur sa mission de vie, sur l'amour, sur les finances, discipline, oui. Investir sur soi. Être sa priorité ultime. Payer aussi sa dîme, payer votre dîme. Il y a la dîme, il y a l'économie et il y a l'investissement. Paye ta dîme, économise, rembourse tes dettes. Et l'argent que tu économises, tu pourras l'investir après. Quand une personne me favorise, je la favorise. Clair. Ne pas avoir peur de faire la discrimination. Merci, Wenga. Lis des biographies inspirantes, oui. L'évolution spirituelle vient avec l'épanouissement de sa famille. C'est ça. Et quand tu as un objectif, quand l'argent touche ta main, tu retires ce que tu vas économiser. Tu retires ce que tu vas... Tu mets une partie pour ce que tu veux, cet objectif-là. Bien gérer ses finances. Se discipliner, créer des objectifs, chercher les métiers qui payent bien, pas seulement qui payent, tout paye, mais le salaire d'être plus élevé. Savoir lire les jambes et éviter les suceurs d'énergie. Écrire sur une feuille, je dirais même dans un cahier, ses objectifs et les appliquer tous les jours. Travailler sur l'auto-sabotage. Éviter les mauvaises compagnies qui détruisent. Et si tu as échoué, recommence. Si tu as échoué, recommence. Je dis quoi? Si tu as commencé ceci dans le passé, tu as échoué. Commence aujourd'hui encore. N'aie pas peur de te relancer. 30% pour rembourser sa dette. 40% pour vivre. De ses revenus et 30% d'économie. Mia, je ne pense pas que j'ai dit ça. De ne pas communiquer ses projets. Ça fait partie des choses à faire, mais c'est pas, je n'ai pas dit ça aujourd'hui. Je me rappelle très bien tout ce que j'ai dit. Ne pas avoir peur de l'échec et de recommencer à chaque fois. Je demande ce que j'ai enseigné aujourd'hui, que vous avez retenu, que vous allez partir faire. Basculer l'argent qu'on a utilisé pour payer les dettes vers ses économies une fois que les dettes sont payées, c'est ça. Sandrine, tu me dis que je n'ai rien dit, je n'ai pas dit, je suis en train d'enseigner, je n'ai pas dit que je suis quelque chose. Pamela, bonsoir. Éviter la perte de temps. Tout ce qui n'aide pas pour ton développement. Oui.
J'espère que ce direct va vous donner de la valeur, que les 1 heure, 2 heures que vous avez passées avec moi, ça a fait que ça a remis vos idées en place. Toute conversation, toute occupation que vous avez, demandez-vous toujours, est-ce que ceci me rapproche de ma meilleure version ou est-ce que ça m'éloigne? Quand on vient vous poser les problèmes, au lieu de vouloir résoudre le problème de la personne, on demande, tu vas faire comment? Ouais, tu vas alors faire comment? Ça va aller, Dieu va t'aider. Remettre les problèmes de son entourage à Dieu. Donc, partagez le direct et abonnez-vous à la page. Oh, le mot d'avion. Mot d'avion. On parle. Connexion interrompue. Ah ouais, tu vas valer trop. J'ai mis le téléphone en mot d'avion. On n'investit pas ses économies sur le rêve des autres. Simple. Et quand elle te met, quand elle coupe mon téléphone, je n'ai pas besoin de te dire que ça s'était coupé, c'est la connexion. Non. Ça coupe seulement, elle ne te rappelle plus. Tu appelles, ne décroche pas. Oui. Donc la prochaine fois qu'on se reparle, je n'ai pas besoin de te mentir que non, j'étais en train sur le tunnel. Je n'étais pas sur le tunnel. Je n'en parle juste pas. Quand le gars te demande, pose un problème, tu dis, ok, j'ai compris. Ne pas dire que je vais voir comment résoudre. J'ai compris. Est-ce que j'ai compris, ça veut dire qu'il va faire quelque chose? Hein? Toujours se demander, si je meurs, leur problème là, ils vont le résoudre ou pas? Si c'est oui, ça veut dire que tu n'as pas besoin de les aider. Je vous donne les clés pour votre avenir. Vous ne connaissez même pas encore bien. Si vous trouvez trois pages sur TikTok ici, là où on vous fait ça, ou sur Facebook, vous me dites. En tout cas, ça me plaît parce que j'ai des gens qui écoutent. Quand on fait quelque chose, la personne me dit que depuis que je te suis, voilà, c'est que j'ai acheté le terrain, j'ai acheté ceci. J'ai dit, yes. This is my guy. Yes. Tu prends les conseils là, tu en fais quelque chose. Je vous donne des conseils qui sont en or. Depuis que vous avez vendu, non? Je vous ai vendu quelque chose. C'est celui qui voit qui va pousser plus loin qui va me contacter. C'est un coup derrière vous les clients, c'est que vous-même encore vous n'avez pas ce que vous voulez. C'est toi qui ressens le besoin que non, je veux passer à une autre vitesse. C'est là que je viens vers elle. Même le l'enseignement que je viens de mettre dans le jour là, Dieu va m'aider à me retourner cela. On ne sait rien qui est perdu dans l'univers. Rien! Je reste souvent comme ça, hein. Quelqu'un reste me dit, voilà 500 000. C'est parce que j'ai déjà enseigné pendant 2-3 semaines, je n'ai pas demandé qu'on me paye. Quand vous partez, vous faites vos choses, ça réussit, ça marche. Vous savez quoi? Je reçois l'argent. Financièrement, je suis compensé. Voilà. Nabo dit que ça fait... elle a suivi les enseignements et elle a fait le kit de la page. Elle a acheté le kit de la page. Voilà. Il faut encore faire les lavages, tu verras. Ne pas donner l'accès à ta chambre à n'importe qui. Oui. L'univers est juste. Rappelez-vous de ça. L'univers est juste. Et c'est trop tard pour vous. Tout ce que vous avez écouté déjà là, ça va vous aider, ça c'est sûr. Donc je vais recevoir. C'est comme le marketing de réseau. Mais le marketing de réseau, c'est invisible. Comme tu parles à elle. Ah! Bon, si c'est ça, alors ne réussis pas, non. N'utilise pas mes conseils pour réussir. Comme tu ne veux pas que j'aie quelque chose en retour, là. Et c'est qu'il y a des gens comme ça, là. La personne veut tellement me faire le marketing, elle dit que, ah, si je vais réussir, et on va lui, l'univers va lui donner quelque chose. Bêta, je ne réussis pas. Quand bêta, je ne réussis pas. Eh, Seigneur. Il dit, ah bon? À ce point, il y a des gens qui ont le baraté. Il y a des gens que, si elle sait que elle réussit ici et on va te donner, non.
Pourquoi les Européens ne croient pas à quoi? Je crois que tu vas me retirer de mon débat. Moi, ils parlent moi d'argent. Takana, je vous connais. Je parle d'argent. Le secret de mon thème. Je vais encore sortir la dame. Je vais dire que je fais le jambes en nom. Je vais bientôt vous vendre les produits de ça. Le thème, ça s'entretient, mamie. Pardon. Tu as subi, chérie. Si vous dites que c'est ce qu'il fait sur ma tête ici, là, je ne sais pas. Il fait comment? Puis je vais appeler ma dame la Tengmix. Non, Teng Lumière. Voilà. Je vais appeler ça Teng Lumière. Bonjour, Mila, ma flamme. Ah, elle est chaude aux épaules. Ton fils demande si j'ai un mari. Ouais. Oui. Peu importe le nombre de jaloux que vous avez, assurez-vous de. Quand tu embarques ta mission de vie, ça va faire tellement de bien autour de toi que automatiquement, tu recevras de l'argent. Ok? Des bonnes choses, des faveurs, tout ça. Voilà. Donc, ce soit un peu un souci pour toi. Le bien reviendra, ça reviendra. Tu ne peux pas perdre le bien que tu fais. Impossible. Donc, on a récapitulé. Rose est bien là, c'est plein. Donc, après tout ce que j'ai dit là, tu viens encore te plaindre. Jesus. Arrêtez, non. Vous gagnez quoi quand vous plaignez? Tout l'enseignement de 2 ans que j'ai fait là, tu écoutes tout ça là pour te plaindre à la fin. Écris encore tes blocs, Rose. Mich, ah bonjour. Prenez tout ce que j'ai dit là. Allez en faire quelque chose. Prenez ce que j'ai dit. Allez en faire quelque chose. Merci, Jordan. Allez sur ma page, vous allez voir le lien. Je ne donne plus les numéros. Les anarchistes vous prennent trop avec ça. Il y a un lien Linktree. Et le seul numéro par lequel vous écrivez. Si on vous donne un autre numéro, vous n'êtes pas passé. Les anarchistes prennent souvent mes vidéos, ils partent mettre, ils mettent un numéro dans la vidéo. Donc, 237-693-50-22-66. Voilà, les voilà, remède pour une promesse non tenue. Boss Lady, tu me suis depuis, je te bloque aujourd'hui, ne me suis plus. Tu as compris? On veut des esprits faibles là. Je ne veux plus les faibles followers. Si tu ne veux pas suivre ce qu'on dit et faire, tu laisses. Désabonne-toi. Ok? Comme tu sors là, 10 abonnés vont venir, ils vont vouloir, ils auront l'esprit disposé pour écouter. Tu veux payer la dîme, tu es en Côte d'Ivoire. Il faut payer par Wave. Si tu as de quoi noter, tu me dis. Pas que donc, le baba laisse là-bas, tu n'as pas le numéro. Tu ne prends pas le numéro. Ou tu cliques là-bas dans le lien. Linktree. Clique dans le lien Linktree. Tu entres pour tu payer ma dîme. Tu pars là-bas payer ça. En choisissant la devise, tu choisis la devise XOF. Ça, c'est la monnaie de la Côte d'Ivoire. J'ai intégré le paiement. Tu peux payer par MTN au Cameroun. Dans le lien. Tu peux payer par PayPal dans le lien. Tu peux payer par carte bancaire. Voilà. Allez payer là-bas. Même pour commander des produits, il y a le lien. Si vous ne voulez pas faire, ne faites pas. Thank you.
ajoute cette dame sur les prochains sacrifices. Je devais faire ces sacrifices. Et cette fois-ci, il dit qu'elle ne paye pas. C'était moi-même qui ai offert. Donc, ajoute-la dans la liste. Et si tu ne connais pas, tu me demandes. Papa encore lui écrit que oh, tu l'as écrit au moins 5 fois pour ça. Votre test, c'est la vie. C'est la vie qui va vous tester. C'est pas moi qui vais vous tester. Parce que pas besoin de vous penser que c'est la vie qui va vous tester. C'est là-bas qu'on va vous voir au pied du mur. On est dimanche. C'est l'opportunité pour mettre vos projets sur pied. On est ma, on est ma, on est ma, on est ma. Oui, je fais le suivi spirituel sur la longue durée. Il y a les abonnements, oui. Il y a des gens qui paient 150 000 au mois, il y a 250 000 au mois. Quand tu paies 250 000 au mois, je te fais le travail d'environ 400 000. C'est pour les gens qui sont vraiment engagés. J'ai une là, elle ne blague pas. Donc, il y a une autre. Si tu payes 250 000 au mois, oui. Maintenant, pour ceux qui veulent plus de réduction, tu payes sur 6 mois. Donc, tu payes 6 mois une fois. Comme ça, chaque mois, je fais. Ça, c'est surtout quand tu as commencé et que tu as beaucoup de choses que tu veux enlever dans ta vie. Voilà. Donc, oui, je veux que ma fille vienne se coiffer là-bas à 13h. Et aussi, est-ce que tu fais l'épilation à la cire? Merci. T'en es levé converti. On est ma, on est ma. Attends, il est converti. Je bloquais une personne là-bas. Voilà, c'est bon. Bon. 250 000 en euros, ça fait presque 390 euros. Maintenant, si tu vas payer en 6 mois une fois, tu payeras 400 euros pour 6 mois de travail, ou bien 900 000 francs pour 6 mois de travail sur toi. Voilà. Peut-être tu as déjà le projet, ok, tu veux payer une maison, tu veux acheter une maison, ou bien tu veux lancer un nouveau business. Donc quand tu as un truc, il en a besoin de te suivre tous les mois. Parce que vous faites souvent, vous venez, vous partez, vous venez, vous partez. Comme ça, quand tu viens, tu es un peu bien le dossier, après tu tombes. Après encore 6 mois, tu te relèves, tu viens encore, tu fais 2 mois, après tu pars, je ne peux pas ça. Voilà. Les aides, l'abonnement mensuel, c'est 1400 euros pour 6 mois. À raison de 230 euros le mois environ. Et si tu payes par mois seulement, donc 1400 euros c'est 150 000 le mois, ok? 150 000 le mois, tu payes 900 000 francs en une fois. Soit tu payes 400 euros environ, oui, par mois. Bon, c'est terminé. Ceux qui sont intéressés viendront, n'est-ce pas? Il y a des personnes, quand ils me contactent, quand ils voient tout le travail qu'il y a à faire, c'est beaucoup de démons. N'oublie pas que chaque aspect de ta vie qui est bloqué, c'est un démon qui est sur ça. Le kit de voyage, c'est 70 000. Tu ajoutes le lavage dessus, donc 110 000. Donc 120 000.
aspect de ta vie qui est bloqué. Il y en a même parmi vous, vos papiers sont bloqués depuis. C'est un démon qui est assis sur tes papiers. Ne pense pas que tu allais prendre le jus, le Fanta de 2 euros, tu verses sur la terre, le démon n'a pas. Parce que vous connaissez. Que je fais le lavage au sel, je me lave avec le sel de 5 ans. Pourquoi le démon ne me laisse pas depuis? Oh, que tu es bête. Que tu es bête, ma chérie. Que tu es bête. Que tu es bête. Vous avez vu, non? Chaque blocage sur ta vie, c'est un démon. Est-ce qu'on a les kits avec l'abonnement? Un kit qui coûte 70 000 et que je te demande 950 000 au mois. Jamais, chérie. Tu achètes tes kits à côté.